Clap, bonjour. Damn, mais j'ai juste pas posé. Le drame. Et là, c'est le drame. Voilà, et puis sur ce, salut gens, on se retrouve ici pour la suite de nos aventures sur A Way Out avec Robset, bien évidemment. T'es un gros bâtard, Vincent. Voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, parce qu'on est en pleine action, n'hésitez pas à regarder la fin de la dernière vidéo, ou totalement la dernière vidéo, tout simplement, pour savoir ce qui se passe exactement et pourquoi ce jeu coop finit comme ça, en 1v1. Arrête de rigoler un peu, sale bâtard. Oui, c'est bon. Tranquille, je te propose d'ouvrir la porte, si tu veux. Ah non, tu le fais, ok. Mais Léo, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tranquille. Calme-toi, il s'est rien passé. Tu veux jouer à ça avec moi? Calm down un peu. Conduis bien là. Arrête la voiture. Oh là 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 là. Je suis vraiment désolé. Oui, je suis désolé. Allez, toc. Mec, t'es un bâtard. T'es un bâtard, t'es un bâtard, t'es un bâtard. T'inquiète même pas. Donne-moi cette arme de merde. Fais gaffe devant. Quel con. Mais voilà. T'aurais pas pu me laisser l'arme tranquillement et puis... Tu pouvais pas tout simplement... Pas me dénoncer aux flics. Tout simplement. Attends, je suis dans une merde. Il faut que je sorte d'ici. Laisse-moi sortir d'ici. Et toi, tu restes un peu ici. Et puis, bon, pour l'instant, je cherche les collègues. Léo, fais pas le malin. Attends. Je suis là, mon pote. Pars pas sans moi. Non! Un de ces gars! Putain, même elle est dans le coup. C'est bien d'être flic quand même. Alors, voyons voir si tu veux jouer à ça. Mais si. Allez, le moteur, on vise le moteur. Je vais te démonter ton petit bateau là. Non mec, arrête de changer de côté. J'arrive pas à t'avoir. Arrête avec tes zigzags de merde là. Tiens, voir ton moteur là, il va prendre feu. Ah, les zigzags. T'es où comme ça là? Tu crois que l'essence est gratuite? Non mec, j'arrive pas à t'avoir comme ça. Merci. Mec, arrête! Non, j'arrive, non! Non! Ciao, ciao! Non mec, t'es un bâtard, comme dans GTA, est-ce qu'on peut faire un fuck? Non, mais je te démonte ton petit bateau. Tu touches, non mec. En plus, on ralenti, c'est carrément facile. Non.
Non, le pont. Mec, je l'ai bientôt là. Là, je vais bientôt te casser ton. Mais tu. Ah. Non. Putain, m'attends. Ouais, j'ai. Voilà. Il y a un petit problème au droit devant. Mais pourquoi t'es pas resté dans le bateau? Ça fait un petit sauna. Bon, Vincent. Eh, hey, Léo. Et du pulpe. Du pulpe. There. Down on the right. See him running. Mais vas-y mec, on parle tranquillement, arrête de t'enfuir comme ça. Pense à ton enfant, Vincent. Bah toi, pense à ta famille, Léo. Bah ouais, moi j'ai l'enfant, je pense à eux, donc du coup je vais revoir. Bah oui, mais alors viens ici. Ferme ta gueule un peu. T'es où maintenant? Je suis déjà parti depuis longtemps. Tu t'es caché où? Oh putain! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! Shut up! I don't want to hurt you, Emily. Just get up! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Attends, tu veux vraiment le faire 1v1 toi? Pas 1v2 ou une connerie comme ça. Tu veux pas te faire la full team. C'est vraiment 1v1. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Ouais, grave. Pense à ton fils. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Sérieux, tu veux me tuer? Mec, tranquille. Incroyable. Mec, calme ta joie là. On va réduire ta peine et puis après tout ça réglé. Je comprends pas pourquoi tu es tout de suite agressif comme ça là. Non, je suis bloqué. Oh putain! Ah! T'es où, petit coquinho? Ah, je t'ai vu là, je t'ai vu. I wonder where that pig is hiding. Putain. Sale campeur là. Non mec, par contre ça c'est pas ça. Allez. Non, ça c'était. Pas du tout mon bonus. Attends, par contre, t'inquiète même pas. Si tu veux te la jouer comme ça, on peut se la jouer totalement comme ça si tu veux. Putain, c'est chaud en vrai de me tirer. Ah, tu as fait mal là, mec. Calme ta joie, toi. Bâtard. Il y a juste ma petite tête là qui dépasse. Mec, bâtard. J'aurais pas aimé à ta place. Tu vas aller où comme ça toi? T'es où? Ah t'es là. Mec, mais c'est des vitres farbales là ou quoi? Je sais pas mais... Je sais pas où tu te caches toi. Ah, mec, aïe. Aïe. Et tu fais mal là avec tes conneries. Avec tes conneries.
Alexandra? Alexandro? Ah! Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Putain, mec. Mec. T'es un bâtard. Mais en même temps, c'est toi Mec, qui c'est voulais jouer à impossible. ça, là. Mec, c'est impossible que tu m'as touché. Si, moi je te touche partout. Je vais te violer, et puis en plus, après tu voulais, et après tu. Je sais pas ce que je vais faire, moi, tu vas devenir un homme mort. Allez. Aïe, 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 aïe. Calme-toi, attends. Ah, monte pas tes fesses, toi. Mec, pourquoi il y a la fumée? Pourquoi je vois tout en mode je suis pas bien là? Grave, man. Leo, come on. Aïe. Mec, joue le jeu là, viens, tranquille. On n'est pas obligé de se tirer dessus là. On va réduire ta peine. On est bien. On est potes. Toi, tout de suite, t'es dans l'agressivité totale. Ça, je comprends pas ça. Pourquoi il y a la fumée comme ça là? Ah, faut arrêter la fumée par contre. La fumette. Tu crois que je te touche pas comme ça, toi? Tu rêves? Aïe! Damn. Mais t'es un bâtard! T'inquiète, je suis flic. Ce serait pas en train de C'est pas là. Ouais. bugger? Éloigne-toi de là-bas, quoi? Tu me donnes envie de gerber, sale poulet. C'est fini. Le mec, t'es où? Je sais pas, je vois personne. Est-ce que c'est prévu comme ça ou c'est un bug? Là, il dit debout, mais mec. Ah. Quoi? Je crois qu'on a loupé un petit moment, mais... Ouais. D'accord. Joue pas au parcours avec moi. Léo! Non, non, merde, c'est moi, Léo. Ouais, Léo. Vincent! Arrête de baiser un peu ta mère et viens chez moi là. Mais je sais pas où t'es. Ah! Ah! Quoi? Ah ah Mec, viens un peu là. Oh, mec. Voilà, mec. Mais attends. Mec, pourquoi il y a marqué mettre à terre? Mais mec, c'est quoi ça? Oh, mais on serait pas un peu blessé là, par hasard? Ah non, pas du tout! Mec, comme tu as simulé une blessure de ouf! Eh, mon arme là, par contre, ça, tu crois que des armes c'est gratuit ou quoi? Bon là, mec, ça. Je suis désolé, mais là, ça va chier là. Là, tu m'as pas donné. Tu m'as pas laissé le choix. Je vais devoir te finir. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je bouffe un peu avant. Hop, voilà. Allez, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Voilà. Mec, je pouvais même rien faire là. Oui, mais c'était un petit cadeau fait maison. Eh oh, par contre, non, ça va bouger, ça c'est une option. T'as vu ce que t'es en train de détruire là? Et toi? T'as vu ce que t'es en train de détruire aussi? Bah non, rien du tout. Non, moi pas, mec. Moi, je vois surtout que ta petite santé, elle est pas très bien. Hein. Ou c'est la mienne qui est pas bien là. Si, c'est la tienne Regarde qui est ce que pas t'es en bien. train de détruire. Bon, on voit même pas ton fiston, donc c'est bon. Tranquillou. Ferme un peu ta grosse gueule. C'est à toi là. Mec, je fais pas le malin. Oh! Oh!
Pas aussi fort là, moi je l'ai pas fait aussi fort. Tu sais, comme j'étais beau gosse quand j'étais jeune. Maintenant, t'es un petit enculé. Tiens, attends, je te fais un petit cadeau là. Voilà. Oula, je vois que ta santé elle est pas bien là. Regarde mon petit fils. Et que tu m'as pas laissé le choix. C'est obligatoire là. Ouais, j'aimerais tellement me lever et la faire. Oh! Comme un saumon. Ah, celle-là est pour moi par contre. Non, non, n'y pense même pas. N'y pense même pas. Elle est pour moi. Oh. Ah non, j'ai fait carré. J'ai fait croix au lieu de Moi carré. aussi. Attention. Mec, d'où t'es aussi loin? Ah, j'ai une crampe. J'ai une crampe. Moi aussi, moi aussi. Mec, pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? Oh Non, mec, mec, t'es un petit j'ai enculé de merde. l'impression que t'es un peu dans la merde. Alors, t'as quoi, Non! Léo, t'as quoi à dire? Tes derniers mots? Écoute, je vais pas mourir. Laisse-moi stopper. Juste pour regarder qu'est-ce que c'est la fin. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ma vie était dramatique avec toi! Voilà ce que j'avais dit. Va Mais te prends faire ma main. enculer. Et sinon tu vas mourir là, viens. C'est ce que je te propose de tenir la main là. Voilà, je te dis un dernier au revoir. C'est pour te montrer que c'est par obligation que je t'ai tué. C'est pas parce que j'ai voulu. C'est pas le plan. T'es comme un frère pour moi. C'est horrible la fin. J'aime pas des fins comme ça. Va dire à ma famille que son père il est mort. Petit bâtard de merde. Tu vas Hey mourir. Alex. Je vais coucher avec sa femme. Linda, we need to talk. C'était un accident de travail. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. Après, j'arrive. Mon pote, j'arrive. À part si t'es mort, bâtard. Toi, t'es même plus en vie, arrête de. Tu vas mourir. Bah non, c'est toi qui es mort. Ma femme va te tuer.
Mais non, on s'entend tellement bien. Ta gueule. On va se faire une petite famille à part encore. Mais pourquoi il m'en veut? C'est un accident de travail. Je suis en train de raconter des bobards, je pense, là. Mais non. Quoi, elle me fout carrément à la porte? Mais j'ai pensé qu'on était potes. Moi, j'aurais sorti le flingue, là. Mais elle te l'a donné. Elle l'a plus. Ah oui, c'est vrai. un couteau. Mais c'est bon. Il y en a déjà un qui... Bon. T'inquiète, je vais m'occuper un peu de ton garçon. S'il faut, je vous mets au ballon avec elle. Avec lui. Maman. Putain. Alors, ce que t'as détruit, plus. Mais toi, même temps. Mais t'aimes même plus, qu'est-ce que tu veux, alors. Mais en même temps, je t'ai proposé de rester au calme, et toi, tu voulais pas réduire ta peine, toi, tu voulais tout de suite un V1... Donc il n'y avait pas le choix. C'est triste. Bon. C'était intense, là. Cette fin, elle est imprévue. Mais bon, après, au bout d'un moment, je me doutais qu'il y avait une connerie qui va arriver à la fin, parce que... Je le sentais. Qu'il y avait une couille. Je rêve où t'es chez moi ou quoi, je sonne chez moi. J'ai même plus les clés ou quoi. It's my resignation from the bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? Petit bâtard là. I'd love to. Toute ta famille est encore bien et tout ça, et puis moi là. J'ai plus de famille. Bah t'es morte, c'est pour ça que t'as plus de famille. Ta famille elle est là encore. Là mec, chez moi là, je suis en mode PLS là. Mais même moi je suis pas bien parce que là, une fin comme ça c'est chiant. En plus là je me suis fait mal à mon pied là. Mec comme ça, ah, fais mal. Putain t'es un bâtard. En plus j'ai une petite tombe de merde. Grave. Juste derrière toi il y a une grosse tombe, tu sais, qui fait 4 fois ta taille. Comme ça se fait pas. Loving father and husband in our hearts forever. Oh, comme c'est triste. Il y avait marqué quoi? Un père et un mari formidable dans notre cœur à jamais. Faut que je te dise quelque chose, fiston. Je t'aimerai toujours. Même si tu fais des conneries comme moi, tu seras toujours dans mon cœur. Mec, ça me fait penser à un truc. Tu vois, j'explique après. Là c'est une fin hyper dramatique là, avec la musique hyper dramatique là. Oh.
Non, mais c'est surtout triste en vrai, parce que là, avec toute l'aventure qu'on a vécue avec les deux, franchement, c'est chaud, quoi. En plus, je suis sûr que c'était soit toi, soit moi qui meurs. Il n'y a pas d'autres fins. Il n'y en a que deux. Donc Tu veux c'est essayer chaud. à voir si c'est toi qui meurs. Vas-y, ouais, on essaye encore la deuxième fin. Donc du coup, pour ceux qui veulent pas voir maintenant encore une deuxième fin, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis j'espère que ça vous a plu, let's play. Et puis bah pour ceux qui veulent encore voir la deuxième fin possible, vous pourrez encore rester. Si vous voulez voir Vincent qui meurt comme un petit con de merde. Non, en vrai, peut-être qu'on sera même pas mort. Si, si, je pense. Parce que du coup, toi, tu vas prendre l'arme. Et toi, de toute façon, toi, t'es sans pitié. Ah, tu vois, c'est ça le moment qui a bugué avant. À part que moi, je pense que c'était moi qui te visais, tu vois, et puis c'est l'inverse, quoi. Ah oui, t'as vu, mais vu que t'es moins blessé, tu vas beaucoup plus vite que moi. Donc je pense que ça joue aussi. Désolé Vincent. Je t'ai toujours aimé. C'est dégueulasse. Ta femme, elle va dire, ah, tant mieux. Non, non, arrête ça. Mais quand je passe, c'est fin là. Ouais, c'est horrible, franchement. En plus, après tout ce temps, on s'attache quand même au personnage et tout, donc du coup, c'est chaud. Ouais. C'est la lettre que j'ai écrite dans l'avion, tu sais. Tiens, s'il te plaît, donne-lui ça. C'est chaud. En plus, ce moment, il dure trop longtemps. Oh non. Mais du coup, je suis recherché. Non, je pense pas. Enfin, si, ouais. C'est vrai. Du coup, t'as tué deux officiers. Non, hein. L'autre. Ah, mais C'est t'as vrai que la changé. femme Michel, là, elle a grandi, hein. Ouais, mais c'est pour que personne se reconnaisse, je pense. Quoi? On va te faire un cul de Vincent. Il y a intérêt de donner la lettre quand même. T'as même pas, tu portes les couilles. Heureusement, tu vois, moi je parle face à face à ta femme et tout, et toi tu portes même pas les couilles là. Oh merde.
Ça porte pas les couilles ici. Elle est en train de regarder à gauche et à droite, mais il y a juste la voiture qui est dommage, quoi. Ouais, grave. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises, not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Voilà, ça va être un peu tard, quoi. Yours forever, Vincent. Au motel dans Fortnite. En plus ça ressemble un peu. Ouais, mais il est en meilleur état. Celui de Fortnite il est bon, dommage. Hey buddy. Hi. Hey. Linda. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. Fine. Mec, ses cheveux sont partis en couille là. Ma femme, elle reçoit carrément une médaille d'honneur. Ou c'est juste le drapeau de l'Amérique. Ça serait une grosse arnaque par contre. Pour ça, elle peut l'acheter pour 2 euros. Aim. Fire. Aim. Fire. Oh putain, quand même. Et là, il y a juste un oiseau qui tombe. Et qui chie sur ta tombe. Mais non, il tire en haut. S'il y a un oiseau, ils ont peur, et ben après, ils chient sur ta tombe. Saucisse. Regarde la route au lieu de faire le con. Voilà pour la deuxième fin. Mais toutes les deux sont tristes. Hein. Ouais. Bon, bah du coup, on va maintenant s'arrêter là-dessus. Bah merci à toi Robset de m'avoir accompagné dans cette histoire. Bah merci de m'avoir donné la possibilité d'être Léo et de tuer ce putain de Vincent. Bon, on se retrouvera très prochainement pour une autre aventure certainement. Et puis n'oubliez pas que... Pas la suite. Non, pas la suite, mais par contre peut-être pour un Way Out 2. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, déjà, à partir de la semaine prochaine, il y aura du Detroit Become Human. Aussi un let's play qui va être très intéressant, je pense.
Et puis, si vous voulez voir de nouveau Rob 7, ça sera dans une prochaine partie de Fortnite, de GTA ou d'autres parties sur d'autres jeux. Salut Jean, et à très bientôt pour la Ciao. suite. Salut.